Colore ta vie, Colore TV. Cette semaine, dans Les Marseillais dans la Station Spatiale Internationale, les Marseillais enchaînent les catastrophes et la station ressemble à un champ de bataille intersidéral. Intersidéral, parce que c'est dans l'espace, non. Samantha va même être expulsée dans le vide spatial. Et c'est parti pour les Marseillais dans la Station Spatiale Internationale. Oh merde, c'était ton tour de vider les siphons hydrauliques. C'est au bordel maintenant avec ce putain de joint de culasse. Joint de culasse toi-même? Je l'ai déjà fait la semaine dernière, c'était le tour de ce cosmonaute là. Cosmonaute moi? Sérieusement? Ah bah ça, on me l'avait pas sorti depuis longtemps hein, celle-là. Demande à mes potes moi si je suis cosmonaute. Et tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Mais tais-toi donc, espèce de blob asséché. Quoi? Moi? Mais bon, moi? Moi Maintenant, il y a tout qui flotte en suspension. C'est encore pire que la bataille de crottes de nez de l'autre fois. C'est Baga qui avait commencé. Bah, j'ai plus rien, moi. J'étais enrhumé. Et puis personne m'avait dit qu'il y avait autant de courant d'air dans ce espace spatial. Et si peu de mouchoirs. N, 2, 3, soleil. Et je balance pas, mais il y a la bougeur. Alors Baga, Roberto, Dharma, Mergrand, Testis et bref. Tout le monde est éliminé dès le premier tour. Vous étiez encore en train de bouger quand je me suis retourné. Ouais, mais non, mais laissez tomber. C'est un peu compliqué de jouer un 2-3 soleil en apesanteur, quoi. Tu dis ça parce que tu veux garder le soleil rien que pour toi, c'est ça? Yay, c'est moi le soleil, de toute façon. Ah ouais? Bah t'as pas la lumière à tous les modules pourtant. Qu'est-ce que t'as toi? T'as cru que t'étais un astre hein? Parce que pourtant y'a personne qui te gravite autour, hein. Allez, c'est bon, calmez-vous les copains. Oh là là, vous êtes vraiment immatures hein. Oh, et puisque c'est comme ça, je me casse. Tu sais qu'on te voit encore à travers le hublot, hein? Hé, hey, Samantha, arrête! À nouveau, surtout pas la porte de Saganza, ça! Y'a un risque que tu disparaisses ou éclates! Quoi? J'ai les fesses plates? Et bah, si c'est comme ça, je me barre encore plus! Bah, c'est mal. Du coup, elle va dans le sas suivant. Ouais, t'étais pas obligé de lui faire ses gestes obscènes. Mais pas du tout, c'était un signe. En langage de plongée, ça veut dire qu'elle risque de manquer d'air. Bon, et c'est elle qui veut prendre l'air, alors qu'elle aille le prendre ailleurs. Les gars, y'a Kevin et Paga qui jouent au ping-pong avec leur crotte de nez. Il ne manque pas d'air. Ça fait beaucoup de problèmes d'air, tout ça, non? Faut lancer les pompes à oxygène, du coup? Quoi? Allez, c'est ce bouton rouge là! Suite au malheureux décès de Samantha, la production a permis aux candidats de se recueillir face caméra dans l'isoloir. Ah bah, au moins Samantha dans l'espace! Personne ne l'entendra crier! Mais moi j'ai rien compris, mais bon. Au moins, je suis content si Samantha a réussi à vider son sac là. Son sas? Ah, son sas! Ah, Samantha a été vidée dans son sas! Ah ouais, d'accord! Ah ouais, non, j'avais rien compris en fait! Eh ben moi, franchement, je suis hyper déçu! Pour Samantha? Ah non, pas du tout, non! Non, je suis triste parce que j'ai pas pu résoudre ma problématique! Et c'est quoi ta problématique déjà? Bah, ma problématique, c'est que j'ai pas de problématique, moi! Ah merde, c'est problématique! Ah ouais, je sais, peu cher! Allô, Boston? On a un problème! Et Baga est éternue! La semaine prochaine, les problèmes s'enchaînent. Alors qu'elle pensait faire un moccacino, Penelope a en fait modifié la trajectoire de l'ISS qui est entrée en collision avec un satellite des services secrets russes. En même temps, s'il est secret, on pouvait pas savoir qui était là. Cet incident diplomatique va-t-il entraîner un nouveau conflit nucléaire? Penelope pourra-t-elle finalement profiter d'une boisson sans morceaux de mouchoir dedans? Vous le saurez dans le prochain épisode des Marseillais dans la Station Spatiale Internationale.